Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui a regardé. Comme j'ai pas mal de cheveux, je vais utiliser 3 bananes, 3 grandes bananes. Je vais rajouter l'aloe vera pour pouvoir mixer le tout. Là, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Regardez la texture, c'est assez liquide. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon bas de collant et je vais filtrer cette mixture. Donc j'ai fini de filtrer ma mixture avec l'aloe vera et ça donne ça. Je vais rajouter un peu de citron pour que ça ne noircisse pas trop. L'huile d'avocat. Ensuite le miel, mes cheveux adorent ça, ça les hydrate super bien. Donc je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Je vais rajouter un morceau de beurre de karité que je fais fondre. Je rajoute à ma préparation. Je vais laisser ce yaourt, mais si vous, vous n'avez pas beaucoup de matière, vous pouvez rajouter un yaourt au soja ou un yaourt normal de vache, quoi. Voilà la texture. Pour le coup, ça sent bien la banane. J'ai mixé trois bananes. Mon masque fait maison, il n'est pas très démêlant. On va pas essayer de passer le peigne. Je sens que ça va être fastidieux. Bon, pour le coup, il est très liquide. Je vais mettre une serviette sur mes épaules. J'ai une jolie définition avec le masque. Franchement, top. Définition pas mal. J'aurais peut-être dû faire ce masque plus épais. J'ai mis pas mal de bananes, mais le mélange est un peu trop liquide à mon goût. J'aime bien les textures épaisses, donc voilà. Mes boucles se redessinent facilement sous mes doigts. Regardez mes racines, comment elles sont définies avec le masque maison. Je trouve qu'elles sont mieux définies qu'avec le masque industriel. Bon, j'ai rincé une deuxième fois par rapport aux résidus. Oula. Oula. J'ai encore des résidus. Plus détendus, plus définis. Je connais pas les termes. Industriel. Naturel. Le choix est fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette battle entre industrie et nature. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.